Moi je dis non, moi je dis ton nom et toi tu dis le mien. Vas-y. Bonjour, Soufiane Guérave. Salut, Chien Boutella. On est avec vous pour parler de Lupin. Moi, ma dernière petite galère, voilà, c'est ce matin, le café, j'oublie la dosette. La dosette dans le truc, je vais pour cliquer, clac clac, j'appuie, vu qu'il y a de l'eau partout qui tombe. Et un café par terre. Eh ben, moi, je dirais mon parcours jusqu'ici. Je suis assez contente de faire une petite rétrospective. Surtout là, en 2020, on se pose pas mal de questions sur ce qui s'est passé, où on en est, etc. Et je pense que c'est le parcours que j'ai eu. Ouais, bah moi, ouais, c'est un peu la même chose. Bah, c'est d'être là, en fait. C'est d'être là. Copier. Voilà, non, mais là, arrêtez, c'est facile. Là. Je suis content de ça. Pour moi, c'est une belle réussite. Savoir d'où je viens, d'où je pars, c'est quand même, ouais, c'est bien. Content. Bah ouais, franchement, d'en arriver là, c'est top. Il est génial, hein, Soufiane, quand même. Arrête, chérie, t'es d'extra. Ah, hein. Non, 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 je te jure, t'es mieux que moi. Mais non, attends, c'est toi, arrête. Je te jure, arrête. Je te jure, je te dis que c'est vrai. C'est incroyable. En fait, on a tellement d'anecdotes sur ce tournage, on a tellement rigolé, ça a tellement duré longtemps. Un an, hein, ça a duré un an. Ouais, on chambrait pas mal Vincent, du coup, qui est pas là aujourd'hui, Vincent Londez. Par rapport à son personnage, qui se rapproche beaucoup physiquement des choses. Et du coup, on lui a fait une petite réputation de mec qui voit pas très bien et que c'est pour ça en fait qu'il chope jamais les méchants, quoi, parce qu'il arrive pas à les voir. Voilà, donc on a bien rigolé tous les jours là-dessus. On s'est foutu de sa gueule tous les jours, je crois, d'ailleurs. Ouais, moi, le premier jour, c'était sympa. C'était un premier jour très intense avec Louis Le Terrier où on devait courir. Tu te rappelles, chef? C'est vrai. On devait faire des grands 100 mètres. Avec de la poussière, on avait de la poussière sur le visage, c'était... Tu te rappelles ou pas? Ah, c'était quand même, c'était quand même quelque chose. On avait de la poussière sur le visage et tout, et on peut dire qu'on a démarré sur des chapeaux de roue. Ah, c'était costaud. Il y a tellement de choses qu'on peut voir, que ce soit des séries, des films, un peu tout que je trouve inspirant. Il y a plein d'acteurs inspirants. Il y a tellement de choses dont on peut s'inspirer, même des réalisateurs au final. Donc, franchement, il n'y a pas une icône, je pense qu'il y a des icônes partout, en fait. Bah, on s'est compris là, je crois que la réponse a été très claire. Ouais, non, bah écoutez, ça va être très cool. On est en pleine enquête, il y a plein de choses qu'on ne peut pas divulguer car nous sommes encore en train d'enquêter. Il y a des infos très secrètes et très confidentielles que nous devons garder pour le bien de l'enquête et espérons un jour pouvoir choper ce Lupin. Salut Gradia, bonne année et bonne santé et surtout le 8 janvier, soyez tous devant Lupin. On vous embrasse.